un responsable qui pourra chanter pour nous-mêmes le numéro 187 que nous trouvons dans le chant d'espérance. J'ai vu d'espérance, d'amour et de foi. Et mon chant se lance envers toi, divin. Ouais. Déjà, fais-toi content pour capable de chanter ensemble avec nous, gaiement à la gloire de Dieu. Ce bon cantique que nous trouvons dans le numéro 187 ans. Chant d'espérance, hein, je vis d'espérance. Entre temps, nous demandons à la sœur de bien vouloir et retrouver les responsables pour chanter gaiement ce beau cantique, ce numéro inscrit sur la feuille. Merci Seigneur. Nous disons béni soit l'Éternel. Nous disons c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que nous comptons, je dis? Est-ce que nous sentons présence, mon Dieu? Si nous sentons présence, mon Dieu, si nous sentons anges à danser, à réjouir avec nous, on nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons chanter ensemble avec moi très bien. Les sauvés, les élus de Dieu, les rachetés de l'Éternel. On va demander pour nous applaudir très chaudement la présence de Dieu qui nous mit en nous. On applaudit Seigneur. Nous allons chanter 127 français. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Nous prêts? Après toi? 1, 2, 3. Je vis d'espérance. D'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. Grande est ma faiblesse, mon indignité. Yeah.
car chaque mon année contente, mon Jésus, c'est tout mon bien. Nous disons merci à Dieu pour ce beau cantique. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente, mon Jésus est tout mon bien, je ne crains rien. Entre-temps, nous poursuivons avec le programme de ce matin. Nous demandons à notre bien-aimé pasteur Duval Rita de bien vouloir s'amener sur la chaire afin de lire le psaume 24 gaiement à la gloire des dieux. Par respect pour parole bon Dieu, y'a. M'bral mandé tout élu, m'bral campé pour nous tendre parole bon Dieu dans le psaume 24 pour la gloire de Dieu. On nous campé avec joie pour nous recevoir le roi de gloire, l'éternel des armées qui a tout pouvoir là, qui nous mis tant nous matin au nom de Jésus. Le psaume 24, moi dédié psaume ça pour bon Dieu qui nous mis tant nous là. Non relais, le Dieu d'Abraham, non relais, le Dieu d'Isaac, non relais, le Dieu de Jacob. Roi qui a pouvoir, c'est pour Seigneur qui a yé. Ensemble est tout ça qu'il a dans. C'est pour Seigneur le monde entier yé. Ensemble est tout ça qu'il a dans. Liberté fondation Théa, non fondant mai. Les fers chita sous gros la rivière yo. Tout monde qui vient droit monter sous montagne là, qui pour Seigneur. Tout monde qui vient entré dans caille qui a pas pour l'IA. C'est monde qui pas fait rien qui mal. Monde qui pas de mauvais l'idée dans tête yo. C'est moun qui pas nan bay menti. Moun qui pas nan fait c'est
tromper moun. Seigneur va bénir moun comme ça. Bon Dieu qui a délivré là va faire grâce. C'est moun comme ça qui pour chercher Seigneur là. Qui pour chercher paraître devant bon Dieu Jacob là. Où était les tombes potio. L'ouvri battant potio. Grand l'ouvri pour qui a pouvoir qu'à rentrer maintenant dans le temple là. Qui laisse qui roi qui a pouvoir ça? C'est Seigneur qui a force. C'est Seigneur qui a courage. Les voyants dans la bataille. Où était le temple potio? L'ouvri battant potio grand l'ouvri pour qui a pouvoir qu'à rentrer. Qui laisse roi, qui vient pour voir ça, c'est Seigneur ya, chef la maison Jio, c'est lui-même qui vient pour voir là, parole du Seigneur, amen, pour la chita la vie, l'éternel des armées, c'est lui-même qui chef nous matin, on nous chita pour nous dire, l'éternel des armées, c'est lui-même qui chef nous matin, c'est lui-même qui roi. Qui a tout pouvoir, le tout puissant, c'est lui-même, roi, qui a tout pouvoir. On applaudit le roi de gloire qui fait nous là après-midi, qui fait nous là matin. On nous bat, roi, qui a tout pouvoir. Un gros applaudissement. Amen, amen, amen. Élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées. Entre-temps, nous allons appeler la fanfare pour une deuxième composition. Nous demandons la fanfare de retourner pour une deuxième composition, une composition très spéciale. La fanfare va nous donner deux numéros à la gloire de Dieu. Donc je vous demande de suivre avec attention l'exécution de ces deux morceaux.
C'était vraiment superbe. Nous avons été transportés dans une dimension extraordinaire. C'est le moment de fêter, c'est le moment de partager l'amour, c'est le moment de dire je t'aime. Le moment est venu de continuer avec le programme. Chanter, c'est louer Dieu. Chanter, c'est prier deux fois. Entre-temps, nous demandons à la grande chorale, à la chorale céleste de l'église du Christ de Chabon, de bien vouloir présenter sur le podium afin de nous offrir un morceau très spécial. Déjà, je vous souhaite une bonne audition. La cour céleste de l'église du Christ. La cour céleste vient d'être arrivée. Elles sont tirées à quatre épingles. Je vous demande d'applaudir la chorale qui arrive. C'est comme des pans avec un fil baiser, chelbe à priver pour que vous puissiez participer dans l'activité ça, une activité d'amour, une activité côté que bon Dieu pour un plaisir. Et déjà nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il permet que nous là, pour que nous sommes capables. Honorer l'institution que Dieu avait établie dès la création. Et déjà, faites-le content parce que vous-même, si on a témoin, vous êtes grand bénéficiaire, vous-même, si on a participant à ce moment très spécial.
Déjà, encore une fois, moi souhaite nous une bonne audition pendant que chorale céleste qui sorti dans l'église du Christ en charbon, là, pour que vous soyez capable d'offrir nous un numéro très spécial. C'est pour l'éternel amour.
Si vous avez apprécié la prestation de la chorale céleste de l'église du Christ de Chabot, je vous demande d'applaudir fortement. Je dis souvent, une image vaut mille mots. Vous avez montré nous comment l'amour est sacré, mais vous avez montré nous que l'amour, eh bien, il suscite la joie. Le verbe aimer, c'est le plus bon verbe que vous êtes capable de rencontrer dans un dictionnaire. Et c'est le verbe ça qui permet de distinguer amis, nous quitter l'activité en ce beau 24 décembre pour que nous soyons capables de témoigner, pour que nous soyons capables de voir ensemble avec des nawes nous comment que mon saïo, 22 coups, ça va pouvoir dire oui. Et c'est oui pour la vie. Entre-temps, c'est une décision extrêmement difficile. Mes chers amis, les témoins, monde qui vient faire Jouda, monde qui vient suivre, moi, je vais demander un petit travail assez simple. Un petit travail qui est assez simple, il faut témoigner de l'amour qu'est content qu'on gagne du fait qu'on l'a. Entre-temps, témoins, amis, alliés, famille qui dehors à Saguenay Assemblée, moi demande pour que nous capables battre un gros bravo pour 22 coups ça qui choisit et bien pour que nous capables et bien réunir nous là matin. Encore une fois, demandez nous capables battre bravo pour le Saint-Esprit qui te convainc pour que nous capables et bien accepter pour que nous capables et présent là ensemble avec nous. Quand l'amour parle, il est le maître. Dixit Marivaux, un écrivain français. Quand l'amour parle, il est le maître. Pour continuer avec le programme de ce matin, nous demandons au groupe soldat de l'église Assemblée des Dieux de l'Étiro de venir dans cet espace pour offrir un numéro très spécial. Sous vos applaudissements, les jeunes gens arrivent, ils sont tirés à quatre épingles. Je vous demande de l'applaudir chaudement. Oui, c'est dans Jésus qui carré ça. Je sais des personnages qui sont venus là pour venir capable de chanter pour nous. Encore une fois, mon héros, on va applaudir les personnages qui vivent. Malheureusement, nous avons un jeune garçon qui est là, non, et il est là, ensemble avec nous, pour qu'il soit capable de chanter ensemble avec le groupe et des soldats de l'église Assemblée de Dieu de l'Étiro. Déjà, nous souhaitons bonne audition pendant que vous parlez pour nous un morceau très spécial. Descend, grâce à descend, c'est bon, Dieu fait nous grâce à Bingo.
En vérité, si vous ne savez pas, 24 décembre, nous sommes très occupés.
C'est pour nous demander pour soldats de nous 10 numéros. Et on a pas l'autre. Ah, c'est pour soldats, c'est vraiment c'est des soldats qui sont pour Christ. Entre-temps, nous demandons à notre bien-aimé pasteur Jean-Baptiste Remy de présenter durant la chaire pour exécuter la première lecture et de la parole de Dieu. Chers bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous vous demandons de bien vouloir de s'élever avec nous pour lire dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 24. Seulement le verset 24. Nous lisons pour vous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Asseyez-vous. Distingués amis, venant d'ici et d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de suivre une cérémonie très spéciale. Une cérémonie qui met en phase, qui met en jeu 22 couples. Les couples sont vêtus de multicolores. Les coupes sont chic, les coupes sont bien présentées, mais les coupes sont prêts à dire « je t'aime pour la vie ». Entre-temps, nous allons passer quelques minutes pour louer Dieu pour ses multiples bienfaits. L'aime songer côté n'teye, moi lever même en l'air pour m'adorer. L'aime songer, j'en que adversaire t'ap gade manger, adversaire te dit que m'pas t'ap guéri, adversaire te dit que m'pas capable ouais 24 décembre ça. Moi lever même en l'air pour m'adorer bon Dieu. L'aime que coronavirus te vini pour que l'ité ferme la guerre. Eh bien, moi campé là, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Moi levé même en l'air pour mettre bon Dieu gloire, que lui-même seul l'a mérité. Sous la direction de notre bien-aimé, pasteur Duval Rita. C'est des soldats. C'est un soldat. C'est quelqu'un qui tient toujours les armes spirituelles. Entre-temps, nous demandons à notre bien-aimé de mieux nous conduire avec ce moment d'adoration. L'aime songer côté m'teye. Moi levé même en l'air. Pour m'adorer. Son grâce, oui, mon ami. Sinon là, son grâce, oui. Son moment, même là que nous avons un moment de fête, mais son moment pour que nous levions maintenant l'air pour nous bon Dieu. Merci. Merci, frère mon Christ. Chantez à son dinou, c'est grâce. On nous dit grâce. Grâce. Le sujet pour tel pays. Nous sommes là pour nous sauver.
lève, songez, comptez-vous tes bras. Moi, je sais, croyez, aimez, allez, vous me tuerez. Présence, bon Dieu, là, lève, songez, comptez-vous tes bras. La boue, hein, moi, le. Pour ce moment d'adoration. Le mariage est la traduction en prose du poème de Lamont, dit Alfred Bouchard. Le moment est venu d'écouter la parole des dieux. Dans une circonstance pareille, le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur veut vous donner sa nourriture. Le Seigneur veut vous donner son sérum. Dans le psaume 119, le verset 105,
Le psalmiste David déclare: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans les moments difficiles, vous n'allez pas appeler vos parents, vous n'allez pas appeler un boss aux États-Unis, mais vous pouvez appeler le chef suprême, le chef de nos familles, le Seigneur des Seigneurs. Dans les moments douloureux, vous n'allez pas appeler le voisin. Vous aurez l'opportunité, eh bien, de prendre la Bible. La Bible, ce document infaillible qui répond à nos besoins. Nos besoins sentimentaux, nos besoins sanitaires, et j'en passe. Mes chers amis, les futurs époux et épouses, je vous donne ce boussole comme guide. Si vous avez la parole de Dieu comme guide, comme boussole, c'est sûr et certain, vous avez réussi dans le mariage. Dans le noce de Cana, les que du vin ont été fini, puisque le maître était là, eh bien, situation, monsieur dame qui t'a marié, eh bien, au patron, honte. Dans tout ça, en fait, faut-il bien que nous créions nos places à Dieu. Mes amis, moi demandez-nous pour que nous capables de faire un silence autour de nous-mêmes. Pendant que moi demandez-nous pour que nous capables d'applaudir chaudement le serviteur de Dieu, applaudir le Saint-Esprit dans la vie, lui, pendant que lui a présenté, pour que lui capable prononcer, eh bien, le message de la parole de Dieu. Entre-temps, moi demandez-nous capables d'applaudir le Saint-Esprit de Dieu, encore une fois, applaudis le Saint-Esprit de Dieu dans la vie du serviteur qui servira de canal pour la méditation de la parole de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Jean-Baptiste Rémy qui vient, eh bien, d'être arrivé pour la prédication de la parole de Dieu. Avec nous, le pasteur Jean-Baptiste Rémy dans la prédication de la parole de Dieu. Bonne audition à vous tous. Chers collègues pasteurs dans le ministère, honorables sponsors de cette belle et grande cérémonie ce matin, distingués parrains et marraines, chers époux, chers invités venant un peu partout, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce matin, nous sommes vraiment fiers et content d'avoir inondé d'une immense joie pour honorer les 22 couples ici présents ce matin. Applaudis le Seigneur. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur mérite exaltation. Il est seul peut faire ça pour nous. Nous remercions aussi
le Seigneur d'avoir nous donné cette grande opportunité, d'avoir répondu de manière positive à cette invitation. Merci aussi au pasteur Jolis Sylvain et pasteur Ideus Joseph. Merci à vous tous qui êtes ici présents pour normalement embellir cette cérémonie. Tout à l'heure, nous avions lu dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, verset 24. C'est là dont nous allons tirer quelques mots de conseil pour prodiguer aux copains qui vont prendre leur engagement l'un envers l'autre. Et pour la compréhension de tous, nous allons utiliser soit le français ou du moins le créole. Et nous allons aussi partager avec vous dans ce verset trois verbes. Le premier c'est quitter, deuxième s'attacher et troisième c'est devenir. C'est sur trois mots dont nous allons vous parler un peu. Pendant la période de l'Ancien Testament, c'était l'habitude de la femme de quitter ses parents pour aller vivre avec la famille de son mari. Mais la Bible nous a précisé que l'homme doit aussi quitter ses parents, ainsi que le mari et la femme doivent construire leurs propres maisons parce qu'ils ont besoin de l'espace et d'intimité. Ça montre donc que dans la Bible, c'est pas seulement la femme qui au commencement, c'est appelé dans Genèse chapitre 25, côté que nous voyons Rebecca était quittée d'abord famille à Mésopotamie pour lui aller joindre Isaac en Canaan. C'était vraiment triste lorsque Rebecca t'a blessé propre famille, t'a dit maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine, de la prier au revoir. Pour qu'il ça seulement pour lui aller fonder propre famille. Et la Bible continue pour dire que c'est pas seulement la femme qui doit quitter son père et sa mère, mais aussi l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Parce que ils ont besoin, c'est ce qu'on appelle de l'intimité, pour pouvoir prendre aussi leurs décisions personnelles. Lorsque ils ont écarté les parents, à savoir maman, papa, les frères et sœurs, pour qu'ils vivent à deux, ça permet qu'ils soient capables de prendre décisions, eux-mêmes, ils veulent, pour capable de gérer le mariage là, pour capable de construire le mariage là, pour capable de permettre que le mariage là ait été en existence, en vie, pour que le mariage là n'ait pas rasé. Donc, yo doit établir propre décision par yo, propre chemin par yo pour capable résoudre parfois problème qui gagne entre yo, si prise de bouche qui gagne entre yo, ça yo pour faire face à lui, d'après mon javel. Parce que tout bagage qu'on besoin qu'on ait, mariage c'est vrai, c'est l'ambiance, mariage c'est vrai, c'est la réjouissance. Et n'importe une fille, ou d'avoir dit lui, nous définissons programmé mariage là pour tout pas marier encore, mon cher. C'est plus gros coup de bâton ou de cabaye. Donc ça veut dire, pour lui, son gros ambiance que vous faites perdu. Et parfois, ça vraiment douloureux pour que mariage a été programmé et puis il n'est pas fait. Ça
avait dit, il y aurait une ambiance. Mais non seulement mariage là, c'est ambiance, non seulement mariage là, c'est une institution morale qui est créée par le Créateur, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui-même qui établit mariage là pour que l'homme et la femme quittent leurs parents, pour qu'ils en fassent seul. Mais aussi, mariage là a gagné là-dedans des dilemmes. Des dilemmes. Ils ont fait la Bible dit là, messieurs et dames, ils ont besoin de quitter parents. Pour yo aller chercher un espace qui propice pour yo dehors, pour yo capable de vivre et capable de prendre des décisions, pas yo, décisions qui sont nécessaires, pour yo capable de continuer à vivre ensemble, pour que des mariages là vivants. Et ça va vous dire lorsque la Bible dit quitter maman et papa, ça va vous dire que nous abandonner honnête, ça va vous dire que nous voyons au jeter. Mais au contraire, nous avons toujours gagné responsabilité pour nous honorer, pour nous capables de respecter. Nous avons toujours gagné responsabilité pour nous capables d'assister. Au contraire, nous vivons plus fort lorsque nous à deux pour nous capables d'assumer responsabilité vis-à-vis à parents. Et quelques couples nouvellement mariés, parfois, ils ont voulu rester proches. Parents, yo kon vle rete près maman, près papa. Pour qui ça? Parce que yo pense nan ti problème que ap pral gen, parents ap ka mete bouche, parents ap ka bay yon conseil, parents ap ka di mais ça pou yo fè, parents ap ka prend décision pour yo. Et m'a dit non, nan mariage là, c'est pas parents qui prend décision pour vous encore, c'est pas maman qui prend décision pour vous encore. Ce n'est pas papa qui prend une décision pour encore, mais c'est nous-mêmes qui pouvons construire propre décision. Nous. C'est nous-mêmes qui pouvons réfléchir sur ça, qui passer sur ça, qui présenter devant nous, hein, pour nous voir qui décision à prendre, pour nous capables de sortir dans la situation. Hein. Donc, parents, peut-être là, comme un conseiller, vous pouvez nous conseiller, mais après avoir analysé ces conseils, vous pouvez voir est-ce que l'innove. Est-ce que vous êtes capable d'accepter lui ou bien est-ce que vous êtes capable de rejeter? Donc, parents, ils sont toujours là. Ils sont toujours là pour payer des conseils. Mais non, pour passer l'ordre automatiquement, messieurs, dames, ils ont décidé pour vous marier. Or, les mariés ne doivent pas permettre aux parents de nuire leur mariage. Ce n'est pas pour sans raison, la Bible a dit quitter les parents. C'est une façon pour parents yo pas nuit mariage monsieur Damio parce qu'en plus fois il y a des couples qui mariés yo t'es aimé tout bon monsieur a t'es aimé madame lui tout bon madame non t'es aimé monsieur a tout bon mais plus que il y a vivre auprès parents plus que parents yo n'importe si bagage li rentre bouche la donne et parfois il mal parler il mal présenter dans sac passé à soit la prendre la partie pour la fille ou bien la prendre la partie pour le monsieur mais ça permet que puisque madame non est parent mal présenté dans situation qu'a traversé monsieur Damio mais ça compte permet que mariage là li brisé donc parents yo pas doit nuit mariage monsieur Damio parce que yo marié pour yo vivre ensemble et quitter livre dit que nous marié pour que nous capable aider yon l'autre dans temps de crise. Les moments difficiles y apparaissent, madame non veut supporter mari. Les moments difficiles y apparaissent, Maria veut supporter madame non. Dans cas de maladie, dans cas côté que ou dans chômage ou pas travail, madame non veut prêt pour comprendre mari, veut prêt pour supporter mari, la femme de Javel. Parce que nous mariés, pour y être capable supporter l'autre, pour y être capable aider l'autre. Nous marions pour que nous capables partager talent nous. Nous marions pour que nous capables partager possession nous. Ça veut dire ça nous gagne. Automatiquement marier, messieurs, ça c'est pas bien encore, mais c'est bien nous. Automatiquement marier, madame, ça c'est pas bien pas encore, mais c'est bien nous. Bien maria, c'est pour madame non. Bien madame non, c'est pour monsieur. Il y en a parfois ici tellement ping, ici tellement parlé. Dépenser pour madame ni parfois même pour un petit cobla li mette dans dans poche et puis chercher un petit ficelle li marre poche la bien dit. Nous souhaitons que monsieur nous voyons un garçon comme ça. Est-ce que vous entendez?
c'est pour nous l'âge avec madame nous. Parce que poche nous, c'est pour madame nous. Mesdames, d'ablier nous, c'est pour mari nous, la paix mon javel. Pour nous capables vivre ensemble, parce que pour nous, pas de secret pour madame, mais madame nous, pas de secret pour mari. Nous devons connaître qui ça l'autre, quoi faire. Nous marier, nous quitter d'abord parents nous, maman, papa, pour que nous capables de partager ça nous gagner ensemble pour aider yon l'autre à prospérer. Nous aussi quitter parents et pour nous capables d'encourager yon l'autre, dans la prise de décision. Parce que chaque fois, nous vivons toujours gagner ensemble des barrières, toujours gagner ensemble des obstacles, toujours gagner ensemble des dilemmes qui a présenté devant nous. Et lorsque barrières ça y a présenté devant nous, eh bien, faut qu'on capable d'encourager l'autre dans la situation qu'il y a. Faut que madame n'en joue un support, Marie. Dans la situation Marie a eu, faut que Marie a joué un support, madame. Est-ce que nous là? C'est ça, mariage là, les affaires, bon Dieu m'a demandé pour nous quitter maman et papa pour que nous capables d'unir nous et faire une seule chair. Nous marier pour nous capables d'aider l'un l'autre dans le travail. Dans le travail, surtout avec Timounio. Une fois, messieurs, on a tendance, ils parlent dans le travail, ils chitent, ils jouent le domino, ils jouent des cabesses, tout six. Ah, gagné, bravo, bravo. Et puis la caille là, madame n'a balé, la branche carbone, la fait manger, la boki petit monde, est-ce qu'on a? Et parfois les messieurs à rentrer, ils ne pas jouer manger à parler à temps, ils n'ont pas mot, mauvais. Non, pour ne pas marier, pour comprendre madame n'en fait un esclave, mais au contraire nous marier pour nous yon aider l'autre à réaliser ensemble des travaux que nous gagnons la caille là. La paix, mon Javel. Ça veut dire, monsieur, pendant madame ni a fait manger, il est capable de balayer, il est capable de passer mort, il est capable de ranger carbone, il est capable de faire une autre activité pour aider madame ni. Ça sont belles bagages. Pendant madame n'a pas lavé, et puis ouais, monsieur a cap fini, cap vini rincer pour lui. Pendant madame n'a pas lavé, lui ouais, monsieur a cap fini, cap dit bon attend pour vous chéri. La paix, mon Javel. Parce que automatiquement, on marié, nous on changé. Ah, si vous avez dit que 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 chérie, mon amour, est-ce qu'on a? Ce sont des noms affection. Automatiquement marié, nous on dit changer. Ah, nous on a vivre ensemble. Ou pas j'aime qu'on comment ouvrir les bonnes noms. Ou pas qu'on comment ouvrir les noms, monsieur à la caille. Ou pas qu'on comment ouvrir les noms, madame à la caille. Vous allez, madame, comment monsieur allez? C'est Dieu, c'est Dieu. Les deux arrivent. Pas connaît. Ok, est-ce qu'on a? Et parfois c'est papi, mon amour, choupi. C'est ça yo, qui a conjugué la caille là tout le temps. Chérie, c'est ça yo qui a dit. Et Timoun yo tout, qui a développé la caille là. C'est ça yo tendez maman dit. C'est ça yo tendez papa dit. C'est au même tout yo répété. Et puis moun qui a fini la caille là, pas qu'à connaît. Comment vous les messieurs? Comment vous les madame non? Il pas qu'à connaît. Si c'est pas mandé, l'imandé. Pour vous parler, la paix mon Javel. Parce que le mariage là, il change non. Non seulement il aide nous à travailler ensemble, pour prendre soin de nous ensemble, et aussi il aide nous à construire une relation conjugale nous. Parce que nous quitter pendant nous, on allait vivre ensemble. Parce que le mariage là, je dis déjà, c'est une institution qui est créée par Dieu. Et c'est Dieu pour la première fois. Lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 2, le verset 18 a continué. Dans le verset 18, la Bible a dit nous que lorsque bon Dieu fit créer toute sa noue qui existait dans l'univers, et qu'on y a, il pourra créer l'homme en dernier lieu. Et lorsque il fit créer l'homme, et puis il pourra faire toutes les bêtes
des champs, les animaux, les bêtes, les cabrites, etc., ils vont faire tout passer devant l'homme. Et ceci, pour l'homme capable de faire, non. Ce n'est pas pour Dieu qui va mettre au nom. Mais c'est l'homme qui choisit non le libaïo, la paix mon diable. Ça veut dire pour mon Dieu, l'homme c'est une création, une créature très spéciale. Parce que l'homme participait aussi dans la création. Parce que c'est libaïo toute bête dans le royaume. Non. Est-ce que là? Et lorsque l'homme a gardé bête qui a passé devant, monsieur psychologue a dit que. Sans doute gagner deux bêtes qui ont passé l'une de l'autre. Un mâle, une femelle. Femelle là devant, et puis mâle là, sous Dolly, l'a traversé. Et puis l'homme a gardé là-bas, yo. Non, là-bas, mon diable. Et lorsque l'homme finit par toute bête qui passait devant lui, non, l'homme gardé, lui, ouais, toute bête, yo, est pareil. Tandis que lui-même, lui, ou contre lui. Et ça semblait l'homme a plaigné. L'homme a miniré. Comment mon Dieu fait ben, bête pareil pour lui-même? En tant que monde qui est responsable, chant, il paraît pareil. Et lorsque mon Dieu garde que l'homme, il voit l'homme besoin de pareil. Et puis mon Dieu fait l'homme plonger dans le profond sommeil. L'homme a dormi. Et pendant l'homme a gonflé comme ça, l'homme dégaine deux côtes. Et puis mon Dieu râle yon dans le. Il prend un homme côté et puis il forme une femme. Ça veut dire toute fille qui l'a matin, il pourra le marier matin avec Mario, mais c'est zo côté Mario. Ça veut dire mon diable. Ça, ça veut dire aussi, monsieur, puisque c'est zo côté ou pas qu'à capable. Ou pas capable, c'est quoi encore? C'est propre zo côté. Qui n'est pas capable de gagner un marteau dans la ville pour mettre des mains sur un bagage et puis pour craser un marteau? Qui est-ce que ça fait ça? Mais c'est ainsi que madame ou c'est Zokoto. Et lorsque mon Dieu vient créer la femme, et puis mon Dieu fait l'homme pantant en dormant. Parce que l'homme levé, et puis garder. Femme n'a tombé devant. L'homme est brûlé. L'homme dit, ah, ça c'est cher moi. Zol, c'est zo moi. Il y a les femmes parce que c'est non moi. Ils sont dit, là, mais bon Dieu. Et regardez, pour l'autre bagaille, l'homme allait pour le faire, c'est plonger sous dame, non. Même Jean de Webet, tu as fait. Hein? Mais bon Dieu dit, font-il. Font-il. Bête, tu as fait le bon sens, c'est vrai. Mais nous, nous ne pas faire le bon ça. Est-ce que nous là? Bête, tu as fait le bon sens, c'est vrai. Mais nous, nous ne pas capables. Font-il. Et automatiquement, bon Dieu va le bénir, monsieur Damio. Et si ça va dire dans la non, bénédiction qu'elle pourra donner là, dans la célébration, mariage qu'elle pourra faire pour Yoa, il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La paix mon travers. Amen. Bénédiction de Dieu. Donc, non seulement nous devons quitter par nous, pour nous capables de faire un seul, pour nous capables d'unir nous. Et deuxième bagaille, c'est unir en même, unir. Quitter, s'attacher. S'attacher est synonyme d'unité. Unir. Normalement, il va seulement de quitter l'endroit où nos parents vivent. Mais, il y a plus de bagaille encore. Messieurs et madame, ni, je dois être unis. Unis ici, ça veut dire que je dois faire yon seul. Si par exemple, des morceaux de papier, vous mettez un col papier ou un col tissu, pas qu'on est, vous tachez ensemble, dis-moi qui est-ce dans nous qui a décollé papier ça yon encore. Ou joignez dans le même état ou te ou à la. Est-ce que nous avons fait ça? Non. Si nous faisons effort pour nous détacher, qui ne s'est pas passé? Je ne vais pas chier. Ça veut dire que mariage là, nous marier pour nous vivre ensemble jusqu'à la fin. Le seul bagage qui garde des unis, non, c'est la mort.
ou du moins le son trompette de Dieu sonner pour tous les chrétiens ici présents. Christ enlevé l'église là, les Sahara n'a pas vivre dans tous les anges parce que dans ce ciel là, pas de Marie et madame, pas de petit, pas de grand papa, pas de grand la veuve ou diabète, mais nous tous pas dans couleur les anges. Les anges. Donc une fois mariés, pour marier pour vivre ensemble, pour nous capables de remettre une autre. Et pas quitter en rien, séparer mariage nous. Pas quitter ses parents qui font nous l'on camper loin l'autre. Pas quitter ses petites qui viennent mettre des bouches dans sa capacité pour faire nous l'on opposer contre l'autre. Et parfois dans le mariage là, mon Dieu qu'on choisit pour bénir le mariage là en plus, il va être petit et il va être en pile petit. Et mon bon Dieu qu'on choisit, il va être couple à n'importe 12 petites jusqu'à ce qu'il y ait une rassasié. Et mon bon Dieu choisit, il va être un seul crème. Et mon bon Dieu choisit tout, là-bas, il n'y a pas besoin de demander. Il y a déjà une planification qui est faite pour lui. Automatiquement marié, la joie une petite, il n'y a pas besoin de faire l'école. Mais il y a des gens qui font la chemise devant mon Dieu. Il faut aller dans la prière. Il faut la chercher mon Dieu. Il faut la crier dans le pied mon Dieu pour mon Dieu capable de faire. Tandis que des gens, même s'il crie, mon Dieu déjà décidé, il n'y a pas de bail. Là, mon Dieu avait. Mais même si il y a petite dans le mariage là, même si pas de petite, l'important c'est pour nous vivons ensemble. Pas quitter en rien, séparer nous. Pas quitter l'autre garçon, séparer nous, mesdames. Pas quitter ça. Puis vos amis, vous gagnez, mesdames. Mesdames, vous tout à parler. À partir de jeudi, vous pouvez prendre engagement envers Marie. Puis vos amis, vous gagnez après Jésus. Yes. Mario, moun qui a conseillé ou dans ça, ou pas le faire, hein? C'est Mario. Ah bon? Puis bon amis, est-ce que vous ça? Et monsieur, puis bon amour, c'est ma? Madame. Madame. C'est après ou avec madame, nous faisons chita sur le dossier. Hein? Si toutefois nous besoin conseil l'autre monde, nous checker l'autre monde pour renforcer. Décision nous prend. La paix vous dit avec vous. Et puis vos amis, c'est madame, c'est Mario. Donc ça veut dire que, monsieur, automatiquement, vous prenez pas engagement ça. Hein? Donc, vous ne pouvez pas gagner l'autre ami en secret encore. Vous ne pouvez pas gagner l'autre ami, l'autre bouboute. Est-ce qu'on a? Et parfois, mesdames de Yoyo, ils ont dit qu'ils seul deux goudés par sonné. Et maintenant, vous avez un mariage là. C'est yon seul de vous deye. Il va ni de ni droit. Yon seul mari, yon seul madame. Et important, c'est pour nous vivre ensemble. Pas quitter rien, c'est pas raison. Pas quitter le travail. Parfois, monsieur, on dit qu'on pas de temps. Pas de temps pour yon dialoguer avec madame yon. Pas de temps pour yon chouchouter madame yon. Pas de temps pour yon prendre plaisir avec madame yon. Pas quitter le travail, fait nous pas de temps. Pour nous gérer le mariage, nous, messieurs. Nous pouvons passer du temps avec madame nous. Et deux jours, c'est normal pour nous rester dans le cas là. Nous passer du temps pour nous admirer madame nous. Regardez comment elle est belle devant nous. C'est pour nous prendre tout le temps, nous, pour nous regarder. Mais pour nous passer pas seul avec moi. Et à chaque fois, elle lui présente madame nous. Et puis elle dit, où est pas moi, j'aime fini. J'aime fini, j'aime bien brillant, mais qu'on y a. Il finit. Je ne dis pas ça que fait fini pour ça. Il dit, non, regardez madame moi, toi. Et voilà. Ça veut dire, mon nous qui est devant nous pour nous garder, hein? C'est madame nous, monsieur. Et c'est la plus belle femme pour nous qui existait. Et madame aussi, mon nous qui est devant nous pour garder, c'est Mario. Donc, pas quitter en lien, absolument, séparer nous. Ni colère. Même si tu n'as pas gagné un petit prix de bouche, fais dialogue pour nous entendre nous. Parce que nos mariages, qu'on gagne ça, qu'on gagne un petit prix de bouche, qu'on compare, monsieur, à faire, madame, pas content. Quand vous m'avez madame n'en fait, monsieur pas content. Mais chita pour nous dialoguer. Et yon n'en pas même pas encourager nous, pas à dormir. Pendant nous pas résoudre ces problèmes non, qui est passé pendant la journée. Chita pour nous dialoguer. Après nous finir dialoguer, yon ne pardonne l'autre. Parce que dans le mariage, vous avez pardon. Après mon javel, vous avez remède, vous avez support, vous avez pardon dans le mariage là. Et évitez aussi la jalousie.
pour ne pas craser, pour ne pas détruire le mariage là. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça veut dire, moun qui marié, yo, nous pas deux encore. Mais dans le mariage là, nous faisons un seul. Non seul. Tenez bien. Uni ici, c'est un type spécial de l'amour. Cet amour est plus grand et plus fort que les simples sentiments du mari et de la femme. Parce que l'unité est la base sur laquelle on prenne des décisions. On reste d'abord fidèles l'un l'autre. La paix vous dit à faire. Lorsque nous remettons l'autre, ça nous aide nous pour nous vivre ensemble. Parce que l'amour, c'est l'élément fort, l'élément plus grand qui existait dans le mariage là, l'amour. Et c'est l'amour ça qui permet que un jour, monsieur a été attiré vers fille ça pour lui dire le premier mot. C'est l'amour ça qui permet un jour, madame n'a pas dit ok, moi accepté. Et je dis, on a puni nous dans le mariage. Donc, l'unité et que nous pouvons former entre nous, ça permet que nous restions fidèles l'un envers l'autre. Parce que lorsque nous unis, ou fidèles avec madame, ou fidèles envers Mario, ou pas quitter l'autre garçon de tourner penser, ou pas quitter l'autre fille de tourner penser, parce que nous unis avec madame. Et lorsque nous unis, ça permet que notre travail est mieux possible pour nous faire tout, toujours ça, madame moins remet. Je travaille toujours pour me faire ça, Marie remet. Et si je connais monsieur à pas remet ça, je ne suis pas obligé de faire. Si je connais madame à pas remet, elle me dit ça, je ne suis pas obligé de dire. Parce que lorsque nous unis, nous faisons tout effort possible pour nous capables d'aider l'un l'autre. Donc, dans prise engagement que nous pourrons prendre tout à l'heure, nous pourrons voir Monsayo qui va citer la donnée. Moi promets tout pour être fidèle envers. Moi promets tout pour me remettre. Moi promets tout pour me servir. Moi promets tout pour me protéger. Moi promets tout pour me honorer. Honorer, ce n'est pas seulement hein, pendant toute bagarre marcher bien. C'est que les gamins, madame, yo, c'est les en bonne santé. Les femmes, tout que même Mario, c'est les seulement, ils en bonne santé, ils ont travail, ils ont fait l'argent. Mais automatiquement, problème tombé dans le mariage là, ah, ils ont été en temps, ou pas seulement. Prends engagement aujourd'hui pour vivre avec Mario parce que la vit bien, parce qu'elle est en bonne santé, parce qu'elle a travaillé, mais ou pour vivre ensemble avec lui, même si tu as une maladie. Quelle que soit la circonstance, nous appeler pour nous yonner, être fidèles envers l'autre, pour nous yonner, protéger l'autre, pour nous yonner, servir l'autre, pour nous yonner, supporter l'autre. Et non seulement nous devons quitter, ça veut dire abandonner. Laissez parler nous à distance pour que nous soyons capables de créer propre maison pour nous, propre espace pour nous. Mais aussi, nous devons unir nous ensemble. Ça veut dire attacher nous ensemble, dans la pensée nous, dans le sentiment nous. Mais aussi, nous devons devenir un seul chair. Un seul. Un seul. Faut ça, il parlait de lien physique. Qui existait entre la femme et l'homme. Automatiquement, deux mounions, ils ont fini normalement participer dans ces cérémonies. Normalement, si vous regardez à l'œil nu, yo deux. Yo deux. Yo deux, c'est vrai. Parce que si m'dava poser madame dans la question sur Fleur Saha, l'Ika baille moi explication. Et si m'pose monsieur a une question sur Fleur encore, monsieur a kabay moi yon l'autre explication. Ça veut dire, yon deux. Yon une mentalité, pensée, réflexion différente, yon de l'autre. Yon deux. Mais lorsque yon quitte espace ça, ou yon allé, pour plaisir, la Bible a dit yon fait yon seul. Yon seul. Yon vin pas deux encore. Mais yon seul. Le mari et la femme sont toujours deux. Ils possèdent leur propre corps, propre pensée. Mais quand son corps se lie
ensemble dans une union sexuelle, ils deviendront une seule chair. C'est ça nos lits. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, 7, le verset 5, il a dit, c'est pour nous pas quitter en rien, séparer nous. Et seulement nous capables d'éloigner l'un l'autre, c'est seulement dans un dialogue ensemble. Lorsque nous chita entre nous, soit pour vaquer à la prière, lorsque madame n'a pas une mission pour la faire, lorsque monsieur a parlé dans la mission, eh bien, ils ont obligé de laisser l'autre. Normalement, ma petite, non. Et c'est parce que nous vivons dans un pays pauvre qui permet que parfois, monsieur a fini marié, puisque pas de travail dans ce pays, l'obligé quand même, ouais, s'il va aller dans un autre pays pour la chercher la vie, pour construire une famille, non. Et parfois, lui-même l'aller, mais pas qu'à aller avec madame, non. Mais selon la Bible, il n'y a pas de supposer comme ça. Quand on passe, madame, on a supposé là, ensemble avec elle. Si je ne porte au point, il faut passer un mois, deux mois, madame, on a supposé là. Parce que la Bible a dit, c'est pour ne pas quitter en rien, séparer nous, pour nous capables de toujours rester attachés ensemble. Donc, cette union est intime. Et nous n'avons pas vraiment expliqué l'union ça que nous venons faire lorsque nous sommes d'accord pour nous faire une seule chair. Nous pas qu'à expliquer. Et donc, pour qui ça, bon Dieu, demandé pour nous faire une seule chair? Pour qui ça, monsieur et madame, pour nous faire une seule chair? C'est parce que pour nous capables d'approcher une autre. Je veux dire, hier, nous t'es éloigné. Vous comprenez ça dans le mariage-là? Et vous t'es gagné, madame, qui levait les mains, et puis vous-même, vous levez peut-être juste au caille. Et puis pourtant, dans la visite ou dans l'enlevé, et pour ouais, moun ça, c'est l'ouremé. C'est l'amour qui pourra le faire, ou fixer ses yeux sur lui. Et c'est l'amour aussi qui pourra le faire, madame ça, y accepter. Donc, lorsque nous d'accord pour nous faire un seul, eh bien, nous venons rapprocher l'un de l'autre. Non seulement en encore nous, mais dans la pensée nous, nous rapprocher l'un de l'autre. Dans le sentiment nous, nous rapprocher l'un de l'autre. Donc, après, exemple de Ananias et Saphira. Et si tellement, ils ont remé un autre, eh bien, ils ont arrivé devant l'homme de Dieu, ils ont tout aussi fait même mensonge là, malgré Maria, madame n'a pas là, les messieurs ont dit, et serviteur pour Dieu, homme devant le bœuf là, oui, pourtant comme, devant le terrain, oui, pourtant comme. Mais ça, mon côté, ben, mon Dieu. Tandis que les madames n'ont venu, ils disent, même bagaille là, tout. Est-ce que là? Parce que ils ont été unis ensemble, ils ont été faits seul, ça permet que même nos pensées, ils ont été réfléchis, même gens. Et c'est parce que l'homme et la femme étaient faits seul qui fait que lorsque Ève fit manger pomme de Fantuya, et puis il potait le bail Adam. Et Adam mangeait parce que ils ont fait seul. Avec mon Javel. Donc, ils seul, il signifie que la femme. Le mari et la femme se partagent entièrement. Là, pour partager bien vos pensées, vos sentiments, vos corps. Et vous faites ça sans peur. Hier, nous avons vu, mon guide, dans le passage hier, nous avons vu. Mais la façon dont nous avons vu là, c'est une façon qui n'est pas normale. Une façon côté peut-être toujours mon psychose de peur. Madame, nous avons dit, mon quoi si un jour, monsieur, pas le guide moi. Pourquoi si on joue le patron dans l'autre monde? Monsieur a même peut-être, pourquoi on joue madame non pour pas le jouer dans l'autre monde? Mais automatiquement, au marié, mariage l'a dit, on ne doit pas quitter l'autre. La Bible dit avant. Parce que pas qu'il y ait deux mariages, selon la loi morale. Seulement, si on n'a pas parti pour l'éternité, l'autre là, la Bible a dit, il est libre. Mais automatiquement, nous deux à vivre, nous marier pour la vie. Et nous marier pour nous vivre ensemble, pour nous yon remer l'autre, plus chaque jour. Et donc, ça m'a voulu encourager nous, Matéon, mariage là, c'est bon Dieu même qui t'établit. Et l'idée, ben nous, comme un modèle, que tout le monde moral, tout le monde qui sait, les chrétiens, doit partir, de passer la donne pour que soyez capable d'unir yon avec l'autre. Et mariage là, c'est pas deux sexes, c'est deux sexes opposés. Deux sexes opposés. Ça veut dire que yon fille, yon garçon. C'est lui que la Bible admet. Oui, qui est normal. Yon fille, yon garçon. Donc, lorsque nous marions,
nous marier pour nous vivre ensemble. Nous marier pour nous unir nous. Nous marier pour nous faire une seule chair. Non seul. Donc, m'encourager chaque monde qui est là. Messieurs, dames, qui prennent pour engagement, c'est pour nous-mêmes et mari, nous, mesdames. Mais les mari, nous, la vie de mari, nous attend. Vous passez pour lui, attend. Si mari, ou marche, chiffonné, c'est parce qu'on n'a pas de responsabilité. Attendez, madame. C'est vous qui regardez qui va être mari ou pété matin. On a pris l'église, qui rate, qui prêt pour lui. Le passé pour lui. Faites-y manger l'attend. Ah, vous connaissez, messieurs, vous n'avez pas eu bien, messieurs, mesdames, là, il y a petit bagage là. Est-ce que vous avez ça? C'est pour nous vivre, vous savez? Et puis la taille là, c'est pour nous, on a toujours chouchouté l'autre. Chouchou, chérie, mon amour, papi, mamie. Est-ce que nous là? Nos façons pour nous jeter tout ça, et qu'à finir pour séparer nous. Lorsque nous d'accord pour nous aimer l'autre, bon Dieu va vivre dans le temps nous. Parce que bon Dieu prend plaisir côté gain l'amour. Bon Dieu prend plaisir côté gain opposition, orgueil, côté gain chimé pique, côté gain lutte. Et messieurs, nous voyons et je veux madame nous. Bonsoir madame nous. Ah, même Jean Rouen, les routes à primavelle, comment il était belle. C'est pour toujours battre pour que madame nous dans le même fichier là. Travail pour qu'elle madame ou la même fricheur. Construire madame ou occuper. Est-ce que nous là? Va du corps pour le manger, pour le faire manger la caille là. Va du corps pour l'occuper Paul. Mais mesdames, il y a deux jours nous le connaissons. Il y a deux jours qu'à manger gros, manger la caille là qui coûte cher. Ou cacher gros viande. Mais il y a deux jours, en vérité, son l'âme de l'État. Il y a deux jours, son tifique sans sauce. Ou pas joindre dans la caille là. Il y a deux jours, en vérité, même tifique là, ou pas joindre. Mais quel que soit le jour qui a fini devant nous, c'est pour nous prêts pour nous embrasser, la paix mondiale vers nous. Nous avons des choses que nous mieux connaissons, et puis nous réveillons l'autre. Et la paix dans le temps, nous, bon Dieu, toi, vide dans le temps, nous. Les bagailles t'a semblé noires, les bagailles t'a semblé difficiles, eh bien, messieurs, prends madame, madame, prends Marie, rentrez dans la chambre, la prière, bon Dieu. Dis, bon Dieu, quand il a pas mangé, quand il a pas de charbon, quand elle a besoin de sel, quand elle a besoin d'huile, la paix mondiale vers. C'est certain. Bon Dieu a fait provision dans l'heure qu'on va penser. M'encouragez-nous chaque là pour nous réveiller l'autre. Marie, remets madame. Prends soin madame. Madame, prends soin Marie. Occupez Marie. Fais le fouet dans la rue. Et madame, fais Marie le fouet dans la rue. Que bon Dieu bénisse.